Dans le livre, vous avez appelé l'orphelinat catholique, village Sainte-Thérèse. Et plus loin, le jeune Saïd dit qu'il a été rejeté par tout le monde, même ceux qui se réclament religieux. Est-ce là une flèche à l'endroit de ces personnes qui se réclament de la religion et qui n'arrivent pas à assumer réellement la mission divine à leur confier ou à leur confier? Ma dernière question. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'Église catholique, d'abord en tant que. J'ai servi l'Église catholique, je suis resté très longtemps, presque toute ma vie a été rythmée par l'Église chrétienne. Et j'ai vu aussi que là-bas, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Ils se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, mais au fond, ils font parfois des choses insoutenables. Et ça, c'est une critique à l'endroit de ces gens-là aussi. Effectivement, c'est une flèche que je lance aux chrétiens. Et à tous les hommes de Dieu, qu'ils soient musulmans, même parmi les musulmans, il y a des hypocrites aussi. Donc voilà, c'est à tous les hommes qui se prétendent de Dieu, mais qui font ce que Dieu ne supporterait pas qu'on fasse.